BFM Bash vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bash, votre événement, notre engagement. Donc toi, si je comprends, jusque-là, tu n'es pas encore abonné, tu te caches toujours pour me regarder. Pardon, abonne-toi et puis active la cloche de notification, s'il te plaît. Merci. Bonjour famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. J'aimerais personnellement vous remercier parce qu'on devient de plus en plus nombreux. C'est vrai qu'actuellement j'ai masqué ma chaîne, c'est-à-dire mes abonnés, mais je vais vous les dévoiler bientôt. On devient de plus en plus nombreux. Donc je vous dis merci pour tous ceux qui s'abonnent, pour tous ceux qui commentent, pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour tous ceux qui me like toutes mes vidéos. Franchement, que Dieu vous bénisse quoi. Merci infiniment. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Che Guevara, mais bien avant de parler de Che Guevara, je vous invite à faire une minute de silence avec moi. Parce que c'est un grand jour pour le coupé décalé, pour la musique ivoirienne. Cela fait 12 ans maintenant que notre regretté président d'Ouxaga, Doukouré Amidou Stéphane, nous a laissé un 12 novembre 2006. Cela fait bel et bien 12 ans aujourd'hui. Donc, ayez une pensée pour lui. Portez son âme en prière, portez sa vie en prière, portez sa place auprès de Dieu en prière. Afin que Dieu lui réserve une très 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 bonne place au paradis. Parce qu'il nous a laissé un gros cadeau qui est le coupé décalé. Un genre musical qu'on n'a pas fait confiance au début et aujourd'hui qui a fait beaucoup 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 de fans, beaucoup beaucoup d'adeptes. C'est grâce à lui qu'on connaît Debordo Likoufa, notre artiste. C'est grâce à lui qu'on connaît Didier Arafat. C'est grâce à lui qu'on connaît Serge Beno. C'est grâce à lui qu'on connaît Che Guevara, c'est grâce à lui qu'on connaît DJ Mix, Venom, Kérosène, DJ Leo et autres. Franchement, prions pour son âme, prions pour sa place auprès de Dieu. Voilà, franchement, je suis triste donc je vais quand même faire cette vidéo là parce que puisque vous attendez toujours mes vidéos, priez quand même pour tout ça là. Voilà, ça fait 12 ans. 12 octobre 2006. 12 octobre 2018, ça fait bel et bien 12 ans aujourd'hui. Voilà. Merci encore. Voilà. Donc, Doussara, que ton âme repose éternellement en paix. Voilà. Comme je vous disais aujourd'hui, avant de commencer le sujet Che Guevara, Che Guevara DJ, 17 novembre à 17h17. Franchement, j'imagine bien ce qui va se passer au niveau du palais de la culture. Bref, je m'arrête là d'abord. Je vais vous présenter quelque chose. Franchement, moi je bénis sûrement le nom de Dieu parce que je ne sais pas ce que je fais d'extraordinaire, je ne sais pas ce que je suis réellement, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'admirateurs et je viens de recevoir encore un cadeau que je vais vous présenter rapidement. Voilà, c'est encore une petite montre parce qu'apparemment ils savent que j'adore les montres. Voilà, je vais arborer cette montre là tout à l'heure après vous l'avoir présentée. En fait, bon, je vais faire une petite publicité, hein. Ça, normalement c'est beaucoup de millions qu'on doit me donner, mais bon, c'est une Casio. Voilà, c'est une Casio. Voilà, c'est une Casio. Voilà. Et je vous souligne qu'elle est en or plaqué. Voilà. Je vais enlever ça. Elle est en or plaqué, les amis. Voilà, elle est en or plaqué. Oui, plaqué. Excusez-moi. Plaqué. Voilà, c'est une Casio. C'est un admirateur qui me l'a offert. Et il veut rester dans l'anonymat. Mais dites-lui merci quand même en commentaire. Ça va lui faire chaud au cœur. Dites-lui merci. Regardez. Brassez le cuir. Voilà. C'est neuf, hein. Neuf de chez neuf. Voilà. Je vais la porter pour poursuivre ma vidéo. Franchement, mille merci. Mille merci. Moi, je connais son nom, mais bon. Puisque la personne veut rester dans l'anonymat, je ne vais pas dire son nom. Que Dieu te bénisse. Merci. Franchement, il y a beaucoup d'hommes qui me détestent ici. Mais il y en a aussi qui m'admirent beaucoup. Et ça, je ne peux que dire merci à Dieu pour ça. Encore un cadeau. Et non des moindres. Après l'héritage de 1 800 $ de mon père, mon nouveau papa a adoré M. Patrice. C'est encore une nouvelle Casio au poignet. Voilà, donc on va parler de Che Guevara, comme je vous disais. Che Guevara a un concert avant de Bordeaux et Didier Arafat. Et ça se passe en novembre, le 17 novembre. À 17h17 au palais de la culture, franchement, c'est un artiste coupé décalé qui est toujours d'actualité. Franchement,
Au niveau discographique, si je dois le comparer à un artiste, je sais que Arafat a beaucoup de sons que lui. Je vais dire après Arafat, en matière de son, je vois Kid Gévara. Il a une pléiade de sons. Il a beaucoup, beaucoup de sons. Et il vient de nous dévoiler encore les clips de Sakana, qui est une tuerie. Bon, le père Kid Gévara, faut profiter un peu parce qu'il y a le Agaz, des Bordeaux, Likoufa qui est derrière toi. Hein? Voilà. Donc il a laissé le temps. Petite parenthèse, de Bordeaux vous laisse le temps, toi et quelque chose qui résonne de mousser un peu. Parce que j'avoue que Sakana Sakana, c'est une tuerie, c'est vraiment un tube. Et je vous invite tous, ce 17 novembre-là. Voilà, j'invite la Chine, puisque Pidivara est un artiste rebelle. Bon, quand je dis rebelle, pas comme les autres rebelles que vous connaissez là. Et quand je dis rebelle, c'est par rapport au Primut, qui a fait la coalition avec des choses Arafat et de Bordeaux et Club Haï. Donc, il mérite soutien. Donc, j'invite toute la Chine, toute la Légion, à payer les tickets du concert de Kid Gévara qui se déroule ce 17 novembre 2017 à 17h17 au Palais de la Culture. Ça sera du balèze. Alors, il faut dire que c'est l'un des artistes que peut égaler qui a les plus gros parrains. Voilà, donc je sais que ça, son concert sera une superbe réussite. Mais une chose est sûre, Kid Gévara, il sait que tu as gagné, tu vas gagner. Mais nous, on va surgir le 29 décembre 2018. Voilà, donc j'invite toute la Chine et toute la Légion à aller massivement au conseil de Kedjivara DJ parce que j'y serai moi-même. Voilà. Donc c'était mon message que je voulais passer aujourd'hui. Kedjivara, c'est un artiste que j'admire beaucoup. J'admire beaucoup comme ça d'artiste. Hein. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Mon artiste préféré dans le coupé décalé, c'était Bordeaux Likoufa. Voilà. Souffrez un peu. Et maintenant, comme il est en parfaite harmonie avec le Daïchi DJ Arafat, je suis obligé de supporter DJ Arafat parce que lui aussi, c'est un dangereux artiste. Voilà, c'est lui qui porte actuellement le flambeau du coupé décalé. Voilà, donc DJ Arafat, j'espère que toi aussi, tu n'auras pas le courage de faire sortir quelque chose, hein? Après le Agaz, après c'est Bordeaux dit, c'est vrai, vous êtes famille, hein? Vous êtes les meilleurs amis actuellement, mais si tu sors un son avant ou après lui, tu vas dormir, c'est juste taquiner. Voilà, donc j'invite tous les coupés décalés, tous les fans de la bonne musique, à ce 17 novembre 2017, au concert de Kedjivara DJ, le météoroman. L'artiste toujours d'actualité. Trop de sons. C'est quoi? Piqué. Il a un son. Il a pas fait la promo. Je n'ai pas compris. Je vais vous redonner ça rapidement. Vous allez voir. Il sait que beaucoup n'ont pas connu ce son-là. Je suis sur le vide de ma misère, j'ai appelé mon arrangeur. Allez, c'est que tu es pareil, et mon ami, viens, je peux chanter. Oh, Kid Gévara, vraiment. Donc, tous, du côté du Palais de la Culture, c'est 17 novembre 2017, les amis. Voilà, il mérite soutien. C'est un artiste que j'admire beaucoup. Voilà. Donc, apprêtez-vous aussi. Le Agaz, Agaza. J'oubliais. Oh, mon petit. Chose. Oh. Olbi, c'est ça, non? Olbi? Olbi Pro TV. Voilà. Allez vous abonner massivement à Orbi Pro TV. Il est grand fan de DJ Arafat, mais franchement, il nous soutient grave dans la promotion du Agaza. Je vous demande pardon. Tapez dans la barre de recherche YouTube Orbi Pro TV et abonnez-vous. Vous allez voir. Vous allez voir. Abonnez-vous. Les photos de profil que notre artiste va arborer sur sa page Facebook, ça sera l'œuvre de ce petit-là, Orbi. Voilà, donc je vous invite massivement à vous abonner à sa chaîne, s'il vous plaît, famille. Voilà, moi franchement, vous me soutenez beaucoup parce qu'on devient nombreux, vraiment. Je sais que avant la fin de l'année 2019, je ferai mes 100 000 abonnés. Inch'Allah, c'est Dieu qui décide. Donc je vous invite tous à vous abonner à la chaîne du Petit et puis je vous invite tous ce 17 novembre 2017 du côté du Palais de la Culture pour le concert inédit de DJ Kid Gévara. Il y aura plein plein de surprises. De Bordeaux sera là, DJ Arafat sera là, toute la crème de la musique sera là. Que Dieu vous bénisse et on est ensemble. Big up pour mon petit chose, Olbi. Ciao, ciao les amis.